réussissir aussi à cette opéra bouffe va nous faire profiter de quelques minutes locales, lui qui a fait voyager l'intrigue de ses 40 autres opéras dans des pays variés, un Turc en Italie, un Maure à Venise, un Oedipe en Pologne, un Riccardo en Nubie ou encore un Moïse en Égypte. Que nenni ! Les ouvertures de Rossini sont de la pure musique italienne, délicate et classique. Une musique le plus souvent déconnectée du lieu de l'histoire qu'à Saint-Ouen. Ne règne ici que drôlerie, gaieté, truculence et enthousiasme. Et l'italienne, me direz-vous ? Ah oui, une vraie italienne. Une italienne enlevée par le pédalier Mustapha pour enrichir son harem. Imaginez le pataquès. Ce sont les femmes chez nous qui dressent les maris, en français dans le texte, déclare Isabelle à la fin de l'opéra. Mais oui, chez nous aussi elle s'appelle Isabelle, comme notre musicienne, que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure, à la fin. Passons maintenant, je vais maintenant vous présenter notre chef d'orchestre, Thierry Stalavan, que vous connaissez tous. Diplômé du conservatoire de la plus belle ville du monde, juste avant Bazièges, en direction d'orchestre, trompette, piano et solfège, il est aussi professeur de l'école de musique de Belleville, notre professeur de musique, notre professeur de trompette, notre professeur de solfège et notre chef d'orchestre. Il dirige un nombre incroyable d'opérettes, souvent à Paris et quelquefois à l'étranger. Nous avons le plaisir d'être guidés dans notre musique, dans notre interprétation, par Thierry, secondée par la non moins talentueuse Isabelle Mathias, elle-même professeure de violoncelle, de flûte et voire même de violon, quand la presse s'en mêle. C'est donc sous vos applaudissements que pour ce concert 2018, qui est le 150e anniversaire de la disparition de Rossini, nous allons vous interpréter l'italienne sous la baguette de Thierry Stalavan.
Thank you.